On se retrouve aujourd'hui pour un book haul. Je vais vous montrer la suite des livres que j'ai pris en boîte à livres ainsi que quelques livres neufs que j'ai achetés récemment. Il faut savoir quand même que le book haul ne peut pas être un rendez-vous extrêmement régulier sur ma chaîne parce que j'achète pas des 5, 10, 15 livres par mois. Mais là pour une fois j'avais l'occasion pardon, de vous en montrer un bon paquet d'un coup. Donc c'est parti. Je précise en ce moment, je suis un peu malade, donc les cernes de ouf et ma voix qui va peut-être faire des allers-retours, c'est normal. Les premiers livres que j'ai trouvés, vous doutez-vous de leur titre? Je ne pense pas. Je vais essayer de vous montrer. Normalement, vous avez vu. C'est donc Les Liaisons dangereuses de Chaudarlot de Laclos qui sont ici. Oh, l'état! qui sont ici divisés en deux tomes. Voilà donc. J'aimais bien cette petite édition, elle était très sympa et il faut savoir que je n'ai jamais lu ce livre. Ça y est, ça va recommencer le chat. C'est pas grave, je vais faire comme si elle était là. Il faut savoir que j'ai jamais lu ce livre. Voilà, donc c'est un roman épistolaire où il va être question d'amour contrarié, je pense. Et récemment, je suis tombée, je sais plus si c'est sur une ancienne vidéo d'Antastasia ou de Nabolita, mais j'aime bien re-regarder leurs vidéos périodiquement. Du coup, je suis désolée, je sais plus si c'est Antastasia ou Nabolita, mais bref. Elles en parlaient, et du coup, j'étais très contente de l'avoir trouvé en boîte à livres. Je vais enfin pouvoir lire ce classique épistolaire, d'ailleurs, c'est un genre que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé Vipère au poing de Hervé Bazin, oui, voilà, c'est ça, qui est un roman apparemment. Relativement autobiographique où l'auteur du coup va raconter son enfance et le calvaire que sa mère va lui faire vivre à lui ainsi qu'à ses frères et sœurs. Donc pareil, un grand classique que j'ai jamais lu, j'ai hâte de rectifier ça. Ensuite un autre livre, Le Grand Môle d'Alain Fournier. Encore une fois, je n'ai aucune idée de ce dont ce livre parle. Je l'ai vu sur des chaînes qui abordent beaucoup la littérature classique, je l'ai vu revenir à plusieurs reprises. Et ben voilà, c'est encore un classique que j'ajoute à ma pile de ceux que j'ai envie de lire. Ensuite, j'ai L'Appel de la forêt de Jack London. Cette édition est trop mimi, je trouve. Je pense que c'est l'histoire d'un chien de traîneau qui va retourner à la vie sauvage. Je suis pas sûre. Non, je vois pas mal passer ce livre parce qu'il me semble qu'il y a une nouvelle version illustrée qui est sortie, dont les dessins ont l'air très beaux d'ailleurs. Je pense que ça va être une lecture un petit peu difficile dans le sens où je suis très sensible à tout ce qui touche aux animaux. Donc on verra. Je vous précise que là, tout ce que je vous montre, ça vient de boîte à livres. Je vous dirai quand je passerai au livre neuf. Ensuite, j'ai trouvé Les Rivières pourpres de Jean-Christophe Granger. Je suis super contente. C'est un film que j'adore avec Jean Reno et Vincent Cassel, je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc c'est un policier où il va être question notamment de secte, c'est un peu cracra hein, par moment. Pour moi c'est vraiment un grand classique du film policier, donc je pense que ce sera aussi un grand classique du roman policier. Et il y a une série sur Netflix d'ailleurs qui s'appelle Les Rivières pourpres, donc le même titre. Et l'acteur principal est Olivier Marchal, donc si vous connaissez un petit peu le film policier vous savez... Très bien qui Olivier Marchal. La série est vraiment bien, je vous conseille de la regarder. Ensuite, le discours de la servitude volontaire de La Boétie. Donc c'est une sorte d'essai philosophique où la question va se poser de savoir comment un peuple entier peut se soumettre mollement à un tyran sans essayer de lutter. Voilà, donc je pense que c'est un livre majeur un peu dans les thèmes de la pensée politique, dans la lignée un petit peu de Machiavel, et ça m'intéresse beaucoup. Ensuite, j'ai trouvé Britannicus de Racine. Donc là, il va y avoir un manque de culture flagrant de ma part. Je n'ai aucune idée de ce dont parle cette tragédie. Voilà, je sais que c'est une tragédie, c'est déjà ça. Voilà, je me doute bien qu'il va être question de complot politique et de mariage décevant. Une autre pièce de théâtre, il s'agit de Les Mains sales de Jean-Paul Sartre. Ça va être redondant si je vous dis à chaque fois que je ne sais pas de quoi les livres parlent, mais j'ai lu la pièce de Sartre qui s'appelle Le diable et le bon Dieu. Je pense que c'est ça le titre. Quand j'étais bien plus jeune. Et j'avais vraiment beaucoup aimé.
Donc j'espère aimer autant celle-ci. Ensuite, j'ai trouvé Le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, donc un roman qui, je pense, est assez essentiel en ce qui concerne la légende arthurienne. Thème qui me plaît beaucoup, mais j'ai pas lu beaucoup de livres à ce sujet-là, donc c'est très bien. Et le dernier livre que j'ai trouvé en boîte à livres, j'ai pas fait exprès de le garder pour la fin, mais comme c'était le plus gros, bah il était au fond de mon sac. Mais c'est aussi, je pense, le livre que je suis le plus heureuse d'avoir trouvé. Bref, c'est Hannibal de Thomas Harris, donc Thomas Harris, comme vous voulez. Voilà, donc est-ce que je vous fais le topo? Non, je pense pas. Là, c'est pas que je sais pas de quoi ça parle, c'est que tout le monde sait de quoi ça parle. C'est pas la même chose. Vraiment très contente de l'avoir trouvé. Du coup, Hannibal, c'est le troisième tome, il correspond au troisième film. Je ne compte pas le film Hannibal, les origines du mal, comme faisant partie de la saga, parce que c'est une daube sans nom. Et voilà, du coup, le film Hannibal est mon film préféré, donc quitte à trouver un des tomes de la saga, je suis super contente que ce soit celui-là qui ait croisé ma route. Stephen King a dit: ceux qui attendent Hannibal veulent savoir si c'est aussi bien que Le Silence des Agneaux. Non, ce n'est pas aussi bien, c'est mieux. Voilà. Voilà, que puis-je dire de plus? Je suis super contente, je les ai jamais lus. J'espère vraiment que l'écriture va être bien. Bon, c'est une traduction, mais idéalement, voilà, je les aurais lus en version originale, mais j'espère que l'écriture va être bien. J'espère qu'il va y avoir un petit truc, quoi, en plus, que ce sera pas trop lambda. Mais j'ai trop trop hâte. T'es coincée? Mais attends! On va passer au livre neuf, voilà. Comme je vous disais, il n'y en a pas énormément, je dépense pas beaucoup dans les livres chaque mois, j'ai pas des milliers de dessins à dépenser quoi qu'il arrive. Donc ça va être assez rapide, il faut juste que je les retrouve. Ensuite, j'ai acheté une petite anthologie qui me faisait de l'œil depuis un moment. Voilà, vu que c'était à 2 euros, voilà, je me suis pas ruinée. Il s'agit de Fées, Sorcières et Diablesses dans les petites éditions de Librio. J'adore, j'adore, j'adore ces éditions, les petits livres qui font. Je suis pas trop fan du. Comment dire? Avant, les livres n'étaient pas comme ça, ils étaient plus fins et plus longs, j'aimais bien. Mais bon, bref, on va pas s'arrêter sur une couverture. Donc, dans le livre, on va retrouver Homer, Clark Ashton Smith, bah, c'est très bien parce que je l'ai jamais lu. Ray Bradbury, Robert Bloch, George Sand. Voilà. Ensuite, j'ai acheté Les Sorcières de la littérature de Taïsia Kitaïskaïa et Cathy Oran. Pareil, je vous l'ai présenté dans une vidéo précédente, je vous ai montré des planches qui se trouvent, enfin des planches, des illustrations qui se trouvent à l'intérieur. Je l'ai déjà lu dans le cadre du Lost in Time Challenge, donc je vous en parlerai dans un update. Ensuite, on va avoir Les Mémoires de Louise Michel. C'est ma lecture en cours. Je vous l'ai présenté dans ma pile à lire du Lost in Time Challenge. Je vous ai dit peut-être que je vais l'acheter, je vais l'acheter le lendemain. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup en tout cas, et pareil, je vous en parlerai dans l'update du Lost in Time Challenge. Un autre livre que j'ai acheté et lu pour le Lost in Time Challenge, c'est Le Bateau-usine de Kobayashi Takiji. Ce livre est exceptionnel. C'est un livre vraiment incroyable, pourtant on est sur une intrigue assez simple. On va suivre des personnes de conditions extrêmement modestes qui vont se retrouver à travailler sur un bateau-usine et qui vont être traitées comme des chiens en fait. Et on va suivre le cheminement de leurs pensées, où est-ce que ça les amène, les conséquences que les traitements qu'ils subissent vont avoir. Je vous en parlerai plus amplement. C'est un livre aussi très intéressant parce que la narration est collective. On ne suit pas un personnage en particulier, on ne suit pas un ou plusieurs personnages d'ailleurs de façon particulière. C'est une narration intégralement collective. C'était trop trop bien. Je vous en parlerai dans l'update du Lost in Time Challenge. Le dernier livre de ce book haul, c'est Oracle de Stéphane Grunewald. J'espère que ça se prononce comme ça. C'est un livre que j'ai gagné dans un concours grâce à Pauline Readings et à l'auteur du coup sur Instagram. Voilà, c'est un thriller qui a l'air particulièrement démoniaque. La couverture est incroyable. C'est un beau bébé de 600 pages, par contre, je ne m'y attendais pas.
Du coup, je le lirai juste après le Lost in Time Challenge, mais si entre-temps vous voulez plus d'infos sur le livre, sur l'histoire, etc., je vais vous mettre en... au-dessus de moi, je sais jamais c'est de quel côté, mais je vais vous mettre au-dessus de moi la vidéo des livres de la crypte qu'il a déjà lu et du coup qui en parle dans une petite vidéo update. Les prochaines vidéos, du coup, ce sera de l'update lecture, de l'update lecture, de l'update lecture, et on fera aussi un bilan du Lost in Time Challenge. Je pense que ce sera en deux parties parce que si je parle autant à chaque vidéo, voilà. Mais voilà pour le programme des futures vidéos, et moi je vous dis à bientôt dans la prochaine.